Par la mélothérapie, Christophe Médicis, qui est un psychosociologue, en même temps, c'est un auteur, c'est un coach de vie, et Il... Il Christophe Médicis. Merci beaucoup, bienvenue, Azoul. Azoul, et bonjour, Abderazak et toute ta communauté d'Hazard TV. Je suis très heureux que vous m'invitiez, d'autant plus que ça me rappelle les souvenirs, ça me rappelle mes années Berber TV. Euh, J'ai adoré, j'adore les Kabyles et les berbères, donc je suis ravi d'être à Azerte TV. Très bien, donc je disais que vous êtes euh, psychosociologue, auteur et coach de vie, et euh, ce n'est pas votre premier livre, c'est le vingtième. C'est mon 20e en 20 ans, Abderrazak. Vous n'avez pas ça, chômé. Je n'ai ouais, pas chômé, ça fait un par an à peu près. Et puis, euh, mais je crois que, vous savez, euh, écrire pour moi, c'est quelque chose, euh, quand on livre, on écrit un livre, on se livre. On livre un message et donc j'ai souvent envie, euh, depuis très longtemps je suis un littéraire de formation, de transmettre en plus des autres métiers, de coach, de, je suis un transmetteur, de psychosociologue, j'écris je, je, des livres. Très bien. Donc ce livre, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. Il y a deux choses qui m'interpellent dans ce titre. Mission de vie. Et mélothérapie. D'abord, c'est quoi la mélothérapie Alors, La mélothérapie, c'est un nouveau type de thérapie. Si on reprend l'étymologie, mélo, ça vient du grec mélos, qui veut dire euh, chant, hein, chant cadencé, et thérapie. Thérapeine, le soin en grec. Donc, c'est un, un nouveau type de thérapie qui part de l'idée que, vous savez, je dois dire tout de suite, parce que ça c'est important, que je l'ai coécrit avec mon meilleur ami Philippe Mazek, est psychanalyste jungien. Donc, c'est évidemment lui aussi un thérapeute. Et lui et moi, on a une passion en commun, mais je pense que vous la partagez, et beaucoup des téléspectateurs d'Azart TV aussi, et je connais pas mal de berbères aussi, on a des amis en commun. Un amour pour la chanson, n'est-ce pas Et ça fait évidemment écho à tout le monde. Tout le monde connaît, a aimé euh, enfants, ados, adultes, et même seigneurs. Des chansons. Et on part de cette idée avec mon meilleur ami que une chanson que vous aimez et que vous écoutez très souvent 5, 10, 15, mais parfois 100 fois, mais parfois 1000 fois, on est d'accord, Abdelazak, parfois 100 000 fois, elle fait sens pour vous aider au connais-toi toi-même socratique. Très bien. Et j'imagine que, et je suis sûr d'ailleurs en lisant le livre, que vous êtes appuyé sur des études scientifiques pour dire que, effectivement, la musique, la chanson, a un impact positif sur la santé. Ah, mais c'est tout la, la à santé. fait vrai et, et ça fait des décennies qu'on sait que la musique est un, un, entre guillemets un médicament. Ça joue sur vos cellules, ça joue sur votre cerveau, ça vous joue sur vos tumeurs, sur la circulation du sang, sur même on, on parlait en off tous les deux sur les taux de cholestérol, parfois de diabète. Ça peut même être dans ce qu'on appelle la psychologie positive. Quand je vous dis que ça guérit des dépressions nerveuses, on sait très bien que si vous écoutez de la musique, euh, j'adore ce, cette vision des choses. Euh, Oliver Sacks a écrit de très beaux Là-dessus, mais alors peut-être quand même dire, puisque ma bah, première question à Bérazac et me demander ce qu'est exactement la mélothérapie. Euh, la mélothérapie c'est différent de la musicothérapie qui elle n'agit que avec les sons, on est d'accord, ou de la chant où on apprend aux gens à chanter et grâce au chant euh, ensemble euh, ils vont aller mieux. Non, nous on part de l'idée avec la mélothérapie que ce qui compte dans notre thérapie c'est les euh, paroles des chansons. Si tu aimes telle chanson et telle partie d'une chanson, telle parole. Ça fait sens, il faut que tu comprennes, et vous avez vu que le, le, le livre s'articule en 18 clés, 18 chapitres, ça vous donne des réponses sur euh, ce que vous amenez à l'humanité, euh, vos points forts, vos points faibles, vos quêtes profondes, et sort en une phrase à la fin, votre mission de vie. Justement, j'allais te poser la question sur ça, Oui. Vous, vous vous dites que chacun de nous a sa mission de vie sur, sur, sur cette terre en fait. Alors c'est notre vision, hein, oui. Voilà. Et vous aidez les gens à trouver cette mission de vie. Absolument. On part de cette idée essentialiste avec mon meilleur ami qu'on n'est pas revenu sur Terre comme ça, Ex-Nilo. On est revenu sur Terre en ayant choisi là-haut une mission. C'est une vision un peu spiritualiste. Hein. Après, on ne demande pas à tout le monde de la partager. C'est la nôtre et on la transmet dans ce livre. Cette mission, on l'a choisie même. Alors, ce n'est pas mission impossible, c'est mission possible. Elle est possible, cette mission. Mais attention, vous savez, toutes les études spirituelles disent parfois que lorsqu'on est, on nous a mis un voile sur l'âme pour pas savoir ce qu'on avait comme toute connaissance là-haut. On est arrivé, on avait beaucoup de connaissances là-haut, mais quand on arrive ici, sur ce plan de vie-là, on a l'âme voilée. Et donc, c'est pour ça que le titre, c'est Découvrir Abderazak. C'est qu'il va falloir euh, faire un effort tout au long de son chemin de vie pour savoir quelle est sa mission de vie. On prend un exemple tous les deux. Vous, moi, je ne peux pas parler de vous, je peux parler que de moi. Est-ce que je savais quelle était ma mission de vie à 18 ans Pas du tout. À 20 ans, moyennement. On fait des études, on tâtonne, on se demande pourquoi on fait telles études, on se cherche. Mais il y a une phrase très belle. C'est que quand on se cherche, un jour, on trouve. On trouve. Et c'est ça l'idée Abderazak, c'est découvrir sa mission de vie. Parce que de toute façon, pour cela, on a besoin d'un accompagnement. Justement, mais à vous entendre, mission, ça, ça, ça nous vient à l'esprit que c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, voilà, vous avez cité mission impossible, etc. On pense directement à quelque chose d'extraordinaire, de difficile, d'impossible parfois. Mais vous, vous dites, non, la, notre mission, est peut être ordinaire et c'est une mission dans et la vie. C'est une mission de vie. Je pense, à son âme, à mon ancienne femme de ménage, Marie, qui est partie faire son dernier voyage et une poignée de mois. Pendant 14 ans, elle s'occupait de ma maison. Euh, Marie, évidemment, à la façon dont elle faisait femme de ménage, elle vivait sa mission de vie. Elle n'était pas une femme de ménage, elle rendait propre un lieu, elle embellissait un lieu. Et donc, euh, qu'on soit alors attention, toutes les femmes de ménage vivent pas leur mission de vie en étant femme de ménage, mais qu'on soit balayeur, femme de ménage, ministre, euh, commercial, euh, producteur d'émissions de télé, animateur, coach, psychosociologue, si tu le fais avec ton cœur. Si tu le fais avec authenticité et si tu aimes ça, si c'est emballant pour toi, eh bien, euh, c'est ta mission de vie. C'est la mise en musique de ta mission de vie, en tout cas. Ta mission de vie, tu la trouves en une phrase spirituelle, jungienne, hein, qui peut être créer le bien-être et tout ça, mais la mise en musique passe par un métier. Tout le monde a des activités. Et Volins-Nolins, malheureusement, vous avez vu les dernières études Il y a une étude Ipsos qui est sortie il y a trois semaines, là, qui dit que deux Français sur trois vont au travail à en tirant la tête, en faisant la gueule. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez les deux tiers des Français. Qui n'ont pas un métier aligné à leur mission de vie. Ils sont pas comme Marie quand elle était femme de ménage. En fait, ils y vont, C'est pas le métier qui était fait pour eux, pour vivre leur mission de vie, Abderazak. Voilà. Donc, vous dites que chacun de nous peut avoir une mission de vie à partir de, du simple travailleur qui casse la pierre, par exemple. Ah, bah oui, alors ça, c'est la parabole des trois casseurs de pierre de Peggy, qui est magnifique. Et c'est peut-être une des plus belles images, métaphores, parabole de Peggy pour expliquer aux gens. Euh, ce que c'est la mission de vie. En fait, un jour, Peggy se balade euh, euh, à côté de la cathédrale de Chartres et il voit un homme qui est vraiment pas content, qui tire une tête pas possible. Et puis, il s'approche de lui et lui dit "Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là en ce moment et Il lui dit "Mais laissez-moi tranquille, j'ai pas envie de vous parler. Moi, je casse des pierres. Et puis, c'est vraiment terrible comme activité, vraiment boulot de merde. Un peu comme X de Français qui, comment ça va Comme un lundi, <laughs> hein, il est comme ça, ce casseur de pierres. Il tire la gueule. Ils sont pas contents de là où ils sont. Qu'est-ce que tu veux qu'ils vivent leur mission de vie voilà, bon, il le laisse tranquille parce que visiblement le monsieur ne veut pas être dérangé. Il fait 300 mètres, il voit exactement un homme qui fait, mais vraiment, Abderazak, la même chose que le premier, sauf que lui est posé est calme, a le visage ouvert et tranquille. Et il s'approche, je lui dis, que faites-vous, monsieur Il dit, monsieur, moi, c'est mon métier, ça. Il n'y a pas de saut métier tous les métiers sont respectables, je casse des pierres, je gagne ma vie avec ça, je nourris ma famille, je paye les, les, les salaires et je m'occupe de mes enfants grâce à cela. Bon, il le laisse, il lui dit merci, il fait un troisième euh, chemin, il voit à 300 mètres après un troisième qui fait Abderrazak exactement la même chose que les deux premiers sauf que lui est vraiment radieux euh, il est joyeux il casse des pierres comme les deux premiers hein. mais il lui dit monsieur mais que faites-vous il dit moi monsieur je bâtis une cathédrale bien voyez-vous ça le troisième lui il vit sa mission de vie à 100 il est aligné à sa mission de vie et pourtant on est bien d'accord Abderrazak dans la Ils parabole la même on est d'accord Abderrazak il fait la même chose que les deux autres c'est ça qui est intéressant, vous voyez ce que je veux dire Exactement. Et euh, aussi, ce qui est intéressant dans votre livre, c'est que vous donnez des clés comme ça. Il y a 18 clés dans votre livre, justement, pour aider les gens à trouver leur mission de vie. Et euh, vous avez résumé ça en, en un petit mot, smarter. Est-ce que pour nous dire un peu, ça renvoie Oui, ça renvoie à quoi Alors, en fait, Smarter, ça vient à l'idée que pour vivre sa mission de vie, il faut se définir des objectifs. Vous vous en êtes défini depuis que vous êtes né. Tous les êtres humains doivent se définir des objectifs, vous êtes d'accord, pour avancer. Bon, tous les enfants qui vont écouter cette émission et les ados et les étudiants vont bien comprendre ça. Un objectif, ça doit être Smarter. C'est un acronyme. Il faut toujours dire que c'est S-M-A-R-T-E-R. S, m a r t e r s cest dire que votre objectif doit être spécifique. Une dame qui veut perdre du poids, c'est spécifiquement. Qu'est-ce qu'elle veut faire Perdre 3 kilos, 5 kilos, 7 kilos, 12 kilos, 20 kilos, peu importe spécifique, on est d'accord ensuite c'est mesurable, en combien de temps, c'est-à-dire là elle a perdu 500 grammes, elle n'a pas perdu elle en a pris au lieu d'en perdre, elle en a perdu 3 enfin c'est mesurable un objectif ensuite ça doit être ambitieux, je pense que un objectif c'est toujours aller de l'avant vous savez que je parle de cet effet que j'ai appelé l'effet Mike Horn, c'est ne limite pas tes défis défis tes limites, un objectif c'est ambitieux un être humain doit se fixer des prétentions, des ambitions. Et c'est pas être prétentieux. Une erreur éducative, parfois, c'est d'empêcher ses enfants d'avoir des objectifs et des grandes ambitions en pensant que s'ils sont ça, ils vont devenir des prétentieux. Pas du tout. Pas du tout. Il y a une phrase très belle de Pascal, le grand penseur, et ça je le dis à tous les éducateurs de la Terre euh, Ce qui fait le secret des grandes âmes, ce n'est pas d'avoir plus de vertus que les autres, Abderazak, c'est d'avoir de plus grands objectifs. Je veux dire, un être humain, il doit se fixer des objectifs il doit être ambitieux. Voilà, ensuite euh, il doit être réaliste. Hein. On en parlait ensemble en off. Si vous et moi on disait qu'en 2027 on veut devenir président de la République française, on n'est pas réaliste. On est d'accord Je suis un homme de la formation et, des et du, du coaching. C'est là-dedans que je me fixe des objectifs. Là c'est réaliste. Ensuite ça doit être temporellement défini. En combien de temps tu veux euh, créer ça En un an, en deux ans, en six mois Ton objectif, il est pensé dans ta tête. Et ta tête, ton cerveau, il faut lui fixer une deadline. S'il n'a pas de deadline Regardez les étudiants Les élèves Ils ont euh, C'est le 6 du mois Qu'il faut rendre le truc hein. C'est le 14 Si tu l'as pas rendu le 14 T'es mort et, et Là t'avances le 14, il doit être rendu ton truc. Bon, ensuite, il doit être en emballant. Je crois beaucoup à l'enthousiasme. Henry Ford, le grand euh, américain qui avait créé les, les Ford, hein, il avait dit L'enthousiasme est à l'origine de tout progrès. J'adore cette phrase. j'ai tu une progresse que tu es, si es enthousiaste. Un grand sportif pour les JO dans quelques mois, il est enthousiaste. Euh, tu es enthousiaste pour une activité. Vous êtes enthousiaste pour la télé. Je suis enthousiaste pour le coaching. Je suis enthousiaste pour la transmission. Si tu pas enthousiaste, tu pas. Et puis, il faut se récompenser. C'est le R. Voilà l'explication de Smart Air. Très bien. Christophe, tu fais la différence entre résolution et objectif. Tu, 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 vous dites que c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose parce que, euh, vous savez, les gens, parfois, il suffit juste de bonnes résolutions en début d'année et vous voyez bien comment ça marche. Au bout de 15 jours, c'est complètement oublié. Il y a d'ailleurs une étude qui était sortie il y a quelques mois qui disait que 92% des bonnes résolutions de la, de la première année, là, le, le, début, le 1er janvier, au bout de trois semaines, elles sont oubliées. Un objectif, vous devez l'écrire. Par exemple, moi, je conseille à tous les gens qui écoutent Hazards TV en début d'année de définir leurs objectifs de l'année et de les écrire et de même les imprimer et de les avoir quelque part sur leur bureau devant leur bureau et de regarder toutes les semaines s'ils agissent pour ces objectifs là une résolution ça, 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 ça part dans le vent vous voyez ce que je veux dire c'est évanescent vous voyez ce que je veux dire Berazac un objectif tu dois agir pour tu dois voir si tu l'as tu le perds pas de vue tu le perds pas de vue tes focus on appelle aux États-Unis dans votre livre aussi, vous parlez beaucoup de chance, de la chance. Oui. Voilà. Alors, la chance, chacun, comment on l'interprète Chacun, comment on la définit Vous, pour vous, c'est quoi la chance, justement La chance, ça se travaille. La chance, vous savez, il y a un homme qui est un grand psychologue anglais qui s'appelle Richard Weissman qui a créé l'école de la chance en, à Londres. Et en l'an 2000. Il avait fait ce qu'on appelle le Lucky Factor Project, le projet facteur chance. Il s'était rendu compte que tu as trois familles d'humains, en fait, Abderrazak. Tu as les gens qui se considèrent comme mal chanceux, voire très malchanceux. Tu as les gens qui se considèrent comme chanceux, voire très chanceux. Puis les autres... Oh, mi fig, mi raisin, mi chanceux, mi mal chanceux. Mais lui, il avait fait une étude auprès de 10 000 personnes. Et c'est comme ça qu'il a écrit un livre extraordinaire que je conseille vraiment à tous les téléspectateurs d'Azard TV de lire, qui s'appelle Le Capital Chance, qu'on peut même trouver en poche maintenant. Offrez-le à tous vos enfants, tiens, à tous vos ados. Et il s'était rendu compte que ce n'est pas l'histoire d'être né sous une bonne étoile, le truc mythologique complètement éthéré. Pas du tout. Les chanceux et très chanceux mettent en place des, actifs, des pratiques quotidiennes très simples, toutes basiques, que les mal chanceux ne mettent jamais en place. Je vous en donne deux-trois sur les sur les douze qu'il donne. Un, les chanceux tirent le maximum de profit des occasions fortuites. Je les malchanceux jamais. Regardez comment on se retrouve à Sartis TV tous les deux. Alors qu'on s'est croisés mais on s'est jamais vu à Berber TV. Mais un jour, on a une amie en commun qui vous vous réalisez son émission, celui de notre amie Nadia Bey, grande dame des médias et d'Algérie hein, des médias. Et moi, c'est une amie aussi depuis Radio Orient. On se rend compte et finalement, on a envie de faire des émissions ensemble. C'est bien, on tire tous les deux des profits d'une occasion fortuite. Il aurait pu jamais rien se passer. Vous me donnez votre carte, je vous donne la mienne. Ça, vous et moi fais part, faisons partie des chanceux. Deuxièmement, les chanceux sont toujours persuadés que du bon va leur arriver. Autrement dit, ils cultivent l'optimisme. Les malchanceux, jamais. sont plutôt des pessimistes. Oh, c'est dur. Oh, rien ne va. Ça ne marchera pas. L'optimiste est persuadé que du bon va lui arriver. Voilà, enfin, voilà. Donc, vous voyez, la chance... Ça se construit. La chance, il y avait une phrase très bête qui disait, c'est Coluche qui avait dit ça, dit les gens qui disent qu'ils n'ont pas de chance, c'est que la chance, elle a cogné parfois dix fois par jour à leur, à leur porte ou elle a sonné à la porte et ils n'ont jamais ouvert la porte. Donc eux, ils pensent qu'ils n'ont pas de chance. Votre livre, c'est un ensemble de clés, il y en a 18. Oui. Vous oui. montrez un peu, euh, vous allez... Euh nous dire un peu quelques-unes on ne peut pas tous oui. les énumérer bien non. sûr mais avant ça il y a aussi un, un problème ch <laughs> chez beaucoup de gens c'est que c'est de se faire des, blo des blocages à soi-même c'est-à-dire on se dit avant d'essayer non je ne peux pas mais c'est difficile pour moi c'est pas ma place c'est pas mon univers etc. donc avant d'essayer quoi que ce soit euh, on se fait des blocages. Ah, ouais. Alors que peut-être on a des capacités, on a des compétences pour affronter telle ou telle situation. Mais absolument. Alors, ouais. Comment, comment, comment peut-on dépasser justement cette auto-... Auto... Sabotage. Auto -sabotage voilà. C'est ce que j'ai décrit. C'est exactement le pendant de la mission de vie. C'est mon autre livre qui s'appelle Libérer votre cerveau de son saboteur. Hein? Tout être humain, vous avez très bien vu la chose, Abderazak, dans mon œuvre, parfois risque de se saboter. Et vous savez comment on fait pour saboter C'est très simple. On a des pensées automatiques négatives, comme vous avez dit. Tu n'y arrives pas, tu es trop mauvais, tu n'as pas assez de culture, tu es trop vieux, tu es trop jeune. Moi, j'appelle ça l'excusite aiguë. On peut toujours se trouver des excuses, on est d'accord Ouais, tout le monde peut se trouver des excuses. Hein, voilà. Ensuite, on peut avoir euh, une manière de parler comme ça. Vous avez remarqué, il n'y a pas que les pensées. Il y a la parole oh, mais moi, je suis nul, moi, j'y arriverai jamais. Ah, oh, c'est tout moi, ça. Dès qu'il y a un fou, il est pour moi, dit la femme. Vous voyez ce que je veux dire Ah, oh, ben non, c'est pas les métiers qui de mes rêves que je vis. Bref. À cause du saboteur, les gens ne sont pas dans leur mission de vie. Ils sont dans la, et vous allez voir le jeu de mots, dans la démission. Ils démissionnent et dans démission il y a mission aussi mais malheureusement ils ont renoncé parce que le saboteur il est là pour, euh, pour tout le monde hein, pour vous toutes et tous il est là pour tout vous faire rater votre vie amoureuse votre vie professionnelle votre vie sentimentale votre vie financière votre, votre santé la santé donc j'ai une bonne nouvelle pour tout le monde <laughs> j'ai des outils relationnels anti saboteurs qui permettent à tous les êtres humains de dire à son saboteur un de le neutraliser deux de l'anéantir pour que pour en fait croire en ses rêves il y a une phrase très belle de Martin Luther King qui dit Crois en tes rêves et ils se réaliseront peut-être crois en toi et ils se réaliseront certainement. Qu'est-ce que sape le saboteur Et vous le savez aussi bien que moi, Zerazak, l'estime de soi et la confiance en soi des humains, qui sont les deux ingrédients centraux pour arriver à ses fins. Et je voulais aussi vous demander comment peut-on rebondir après un échec Parce que des fois, l'échec. On voit quelqu'un vraiment dans, 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 dans l'abîme, ça y est, il, 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 il baisse les bras, il. il voilà. Mais par contre, il y a certains, c'est l'échec qui les pousse à rebondir et c'est l'échec qui les stimule pour justement pour réussir. Il y a tout un chapitre là-dessus, vous avez bien vu, c'est une des clés, dépasser les épreuves. Tout le monde a des épreuves, je veux dire, la vie c'est pas un lit de rose, on est pour Nirvana tous les jours, on est d'accord, il peut y avoir eu des deuils, on peut perdre quelqu'un, on peut avoir une rupture amoureuse, on peut être ren renvoyé d'un boulot, on peut avoir plus rien, certaines personnes à un moment donné, et il y a deux manières de réagir. Soit en réagissant comme ça, c'est ce que vous appelez les échecs. En tout cas, on peut appeler ça les contraires, les contrariétés, les contrastes, les vents contraires. Les marins appellent ça les vents contraires. Abdelazak, on est d'accord. T'as pas le bon vent, hein. T'as pas, pas, vent dans le dos, quoi. Voilà. Eh bien, t'as des gens ils vont réagir en renonçant à nouveau. Et ils vont s'écrouler, s'effondrer, ils se relèveront pas. Et puis ils vont dire bah voilà, je suis un loser. Et puis voilà le saboteur, le saboteur, saboteur. On est d'accord. Puis dans les autres, ils vont dire ça. Ok, c'est dur. Mais il y a un cadeau là-dedans, il y a une leçon à en tirer et ils vont le transformer en quelque chose qui va les rendre plus grands, plus forts et avoir encore plus d'avancée. Finalement, dans la vie, tu as toujours le choix. Quoi qu'il t'arrive, ce n'est pas ce qui t'arrive qui va compter vraiment, c'est ce que tu vas faire de ce qui t'est arrivé. Et tu as des gens, comme dit mon ami Boris Cyrulnik, qui font toute leur vie une carrière de victime au bout d'un moment, un échec et ils font toute leur vie ou deux ou trois une carrière de victime. Et d'autres, moi, je vous dis une chose, vous n'êtes pas des victimes, vous êtes des victoires. Et même chaque échec n'appelez plus un échec, appelez-le un essai, une tentative. On sait très bien vous comme moi, ce n'est pas la première tentative parfois que la chose arrive. On est d'accord, Abderrazak, c'est à la septième, à la huitième, donc à la douzième, continuez parce que c'est peut-être la quatorzième qui va être la bonne. Voilà ce qu'on peut leur dire. Vous êtes d'accord, Abderrazak, c'est ça. Tout à fait. En tout cas, euh, merci beaucoup, Christophe. Mais là, moi aussi, là, euh, merci. Euh, on, on va essayer d'énumérer de, de, quelques, quelques clés, parce que j'ai dit au début que votre livre, c'est un ensemble de clés. Il y en a 18, justement, pour définir un peu, pour expliquer tout ce que vous venez de, 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 de dire, avec fougue et passion, justement. Et alors, on, on va... On va, on va, on va... Je vais prendre par exemple la clé numéro 3, définissez précisément vos destinations désirées, voilà, ouais, c'est ça. ça, il faut d'abord, avant d'entamer quoi que ce soit, il faut définir sur quel chemin vous voulez aller. Vous êtes d'accord avec moi voilà, tout On tout reprend la métaphore du marin, hein, si on est sur un bateau, voilà, il y a une phrase très belle de Sénèque qui était un grand sage romain qui disait, elle est très belle cette phrase, euh... Il n'existe pas de vent favorable au marin qui ne sait pas précisément où il va. <laughs> Je veux dire, il faut que tu mettes quelque chose sur le GPS. Je le dis autrement, façon plutôt 21e siècle. <laughs> si tu mets pas quelque chose sur le GPS, d'accord, ton bateau, il va n'importe où. Il peut même devenir un bateau ivre, celui de Rimbaud, qui part dans tous les sens, qui va à droite, qui va à gauche. Non, il faut fixer un cap. Et une chose est de vouloir aller à Port-Barcarès une autre chose est aller à Montréal une autre chose est d'aller à Port-au-Prince une autre chose est d'aller à Alger. On est d'accord Le bateau, il va où et si tu sais où va le bateau, tu as décidé d'aller à Alger, Alger c'est ta destination, il va là. Il ne fait pas n'importe quoi sur toute la Méditerranée, il ne part pas dans tous les sens. Et c'est ça, définissez précisément ce que vous voulez. Plus la destination est définie, plus il y a une chance que ça arrive. Très bien. Qu'il est numéro 6, montrez-vous décisif, osez décider sans tergiverser. Alors ça c'est très clair. Je reviens sur mon idée du saboteur de tout à l'heure, qui est un autre de mes best-sellers. Euh, les gens euh, qui ont un très fort. Euh, Saboteur Abderazak prennent très peu de décisions, ou plus précisément, prennent un long temps avant de décider. Ils tergiverse, ils se disent oui peut-être, peut-être pas. Ils procrastinent, vous savez ce que c'est la procrastination, ils font pas, et remettent au lendemain. Et on sait très bien que les winners, les gens qui arrivent, sont les gens qui prennent rapidement des décisions et qui agissent. Dans la foulée. C'est ça que je dis dans ce chapitre-là. Et il y a des clés là-dessus et il y a des chansons là-dessus. C'est le contraire de l'hésitation. C'est exactement le contraire de l'hésitant. Très bien. L'hésitant, vous les voyez bien, les ouais. hésitants. Ouais. Ouais. Clé numéro 9, optimisez votre temps. Le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Le temps, c'est de l'argent. Et les êtres humains sont pauvres en temps. On n'est pas riche en temps. La vie, c'est court. Hein. Il y a une petite de l'autobiographie de Maurice Genevoix, c'est 30 000 jours. En moyenne, c'est l'espérance de vie de 84 ans. 30 000 jours, ça fait 700 000 heures. Donc chaque jour compte, déjà. Chaque jour compte. Chaque, on le dit à tous les téléspectateurs d'Azart TV, on est pauvre en temps. <coughs> Excusez-moi. Et donc, il faut l'optimiser, ce temps. Qu'est-ce que tu fais de ton temps Et là, ce qui est grave avec les, nous, on est parents tous les deux, il y a beaucoup de parents qui vont nous écouter, qui ont écouter, je le souhaite, Azart TV. Regardez comme beaucoup d'enfants perdent leur temps à scroller sur des conneries, sur les réseaux qui ne servent à rien, à regarder des conneries, à être dans le divertissement. Et euh, la divertissement, ça vient du latin divertere, ça veut dire dévier de l'essentiel. Euh, moi, je suis un peu ennuyé, vous comme moi, parce qu'on ne sait plus comment faire. Nos enfants, c'est tellement des homo connecticus et des mômes des écrans. C'est que, dis-lui d'arrêter les écrans, tu le tues. Tu veux, tu veux emmener ton enfant en enfer, en vacances Amène-le dans une zone blanche. <laughs> Là où il n'y a, a, a pas de réception. <laughs> tu le tues. T'amènes ton ado dans une zone blanche. Il dit, mais t'es fou quoi <laughs> euh, Alors, clé numéro 10, soyez capable de transformer le négatif en positif. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comment transformer un, un échec en, 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 en rebondissement, en, en rebondissement. En quelque chose qui est une opportunité. Il y a un dicton populaire français que j'adore et que tous les gens des arts TV vont comprendre. Il y a une phrase très belle qui dit À quelque chose, malheur est bon. Et bon tout toujours, tout tout fait, vous êtes d'accord, Abderrazak ouais. Mais vraiment. Alors, qu'il euh, est numéro 17, distinguer bien entre réussir sa vie et réussir dans la vie. C'est quoi la moi, différence, justement Moi, j'y tiens, moi, j'y tiens. Réussir sa vie, ce serait quelque chose uniquement matériel, c'est-à-dire avoir gagné beaucoup 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 d'argent, avoir beaucoup de voitures, beaucoup de belles maisons, beaucoup de... Vous voyez ça Ça, c'est réussir. C'est oui. réussir dans la vie voire même avoir un rôle social très élevé dans la hiérarchie. Ouais. Qu'on le veuille ou non, il y a une dans hiérarchie. Voilà, une entreprise ou voilà, dans l'échelle sociale, es ministre, oui. t'es président, es PDG, et tout. Mais ça, c'est réussir euh, dans la vie. Réussir sa vie, c'est plus holistique que ça. Ça veut dire aussi avoir réussi spirituellement, avoir réussi au niveau de sa santé, avoir réussi sa vie amoureuse. C'est très important réussir. Il y a peu de gens qui réussissent leur vie amoureuse en ce moment dans, la, dans notre époque où il y a une crise de la relation amoureuse. Vous savez que je travaille avec Brigitte Lahaye depuis longtemps et je suis très fier d'avoir écrit beaucoup de livres sur les relations amoureuses. Je suis notamment sur Sud Radio avec Brigitte. Avant, on était sur RMC et, et on apporte quelque chose. C'est réussir sa santé, être vieux et en bonne santé, c'est quand même bien. Hein Vous êtes d'accord euh, Faire attention à toi, à ton corps, à ton esprit. Bref. Ça, c'est réussir sa vie, réussir ses relations. Et là, je finirai sur, cette, euh, sur votre question passionnante, sur ça. Je pense qu'il fait une vie épanouie. C'est la qualité des relations qu'on aura su nouer dans sa vie. Et c'est bien pour ça que ma méthode s'appelle la haute qualité relationnelle. Parce qu'avant tout, le talent, c'est d'être entouré de gens comme ça d'avoir noué ses relations, d'avoir su les faire durer et que ce soit des relations de qualité, qui avec sa famille, qui avec ses amis, qui avec de bons collègues. Vous voyez ce que je veux dire C'est vraiment ça. Parce que si tu as un capital relationnel catastrophique, pour moi, tu n'as pas réussi ta vie. Très bien. En tout cas, euh, par rapport aussi, euh, est-ce que euh, réussir euh, sa vie, sa mission de vie, c'est aussi laisser son nom gravé dans l'histoire Moi, je pense euh, à des grands humanistes, par exemple, l'abbé Pierre, par exemple, les gens qui ont combattu, par exemple, l'injustice. Est-ce que c'est aussi ça, réussir euh, ah bah évidemment, sa mission de, bah de vie Évidemment, tu as des gens qui ont une mission de vie euh, immense, immense, énorme. International, oui, mondial. Tu as des gens qui ont une mission de vie bah, qui est faite pour être fait euh, à leur niveau local, euh, mais c'est une mission de vie quand même. Hein. Oui. Tout le monde a une mission de vie. Puis as, vous parlez de l'abbé Pierre, vous parlez de, de, de grands guerriers ou de grands scientifiques ou de grands sages ou de grands poètes ou de grands chanteurs. Je crois que c'est un peu l'idée que. Vous savez, j'ai parlé de cette phrase magnifique de, de Pascal, ce qui fait le secret des grandes âmes, ce n'est pas d'avoir de plus euh, de, de vertus que les autres, c'est d'avoir de plus grands objectifs. Euh, après, je vais prendre ma métaphore des bateaux. Euh, moi qui coach et forme depuis 28 ans énormément de gens de tous les âges, de tous métiers, euh, tout le monde n'a même pas la même taille de bateau. Hein, euh, parce que le marin, c'est toi dans la métaphore de Sénèque. Et le bateau, c'est toi aussi. Or, tu as des bateaux, vous le savez comme moi, c'est des pneumatiques qui sont faits pour ouais. aller à 10 mètres de la plage. D'autres, ils sont faits pour aller à 50 mètres de la plage. Ouais. On est d'accord Et puis, tu en as d'autres, c'est des catamarans qu'on appelle les Formule 1 des mers. On est d'accord ils, ils passent le Caporne, ils font ouais. la route du Rhum. Un être humain, c'est un peu pareil. L'abbé Pierre est passé le Caporne. De Gaulle, il passait le Horn ouais. On est d'accord, c'était des catamarans de leur vie. Mandela, par exemple. Mandela, c'est un catamaran. Ouais. C'est des immenses hommes. C'est des immenses. Mais alors là, c'est là que les coachs américains. Moi, je suis life coach aussi, je suis coach de vie et formateur d'adultes, mais c'est là qu'il leur a un peu tout le monde. Il ne faut pas faire croire à tout le monde qu'il a un bateau qui est un catamaran. Voilà. On peut aider tout le monde à devenir la meilleure version de soi-même, mais tout le monde n'est pas fait pour franchir le Horn Ça, j'en suis persuadé on revient au mot que vous avez expliqué tout à l'heure être réaliste être voilà. réaliste voilà par rapport après à ces moyens. être réaliste vous savez Abderrazak c'est connaître aussi tu as des limites tu peux les dépasser mais il faut savoir aussi jusqu'où tu peux ne pas aller trop loin mmh. voilà c'est les gens parfois ils sont dans la démesure et à un moment donné, ils vont vraiment aussi se planter parce qu'ils n'avaient pas, pas le niveau. Hein. Ouais. Ils n'avaient pas le niveau pour ça. Christophe, euh, oui. vous, vous allez me parler un peu maintenant de ce métier de coaching. Oui. Coach, parce que c'est un nouveau métier, on va le dire. Oui. Hein. Ça se, ça se Par... développe un peu plus en Algérie maintenant. Ça se développe un peu la formation en Algérie, un peu. Oui, il y en a de plus en plus quand même des gens qui font de la formation en Algérie aussi. On Je peut coacher que... dans tous les domaines Dans tous les domaines. On peut être coach en confiance en soi. On peut être coach, vous avez vu, il y a les coachs maintenant en cuisine, les émissions de télé où on coach en Les coachs sportifs, évidemment. Il n'y a Bien pas sûr. un sportif qui, en sport indien individuel qui est en sport collectif qui n'a pas son coach, il a son coach physique, il a son préparateur mental. Moi, je crée plutôt le préparateur mental avec mon livre sur le saboteur. Hein. Euh, on avait fait une émission ensemble là-dessus avec euh, avec Nadia, avec des champions, euh, vous vous rappelez, de champions sportifs olympique, et ouais. des gens qui vont préparer les JO là. Ils ont tous un coach mental. Le coach mental est là pour que tu sois optimiste et que tu te visualises être le champion olympique et non pas que ton saboteur te dise tu vas pas y arriver. Ou le jour de la compétition ton saboteur il se réveille et tu deviens dernier. Quoi, tu vois Bien sûr qu'on peut être coach en tout, on peut être un love coach, un coach amoureux. Vous avez tellement de gens qui sont paumés, ils ne savent pas séduire, ils ne savent pas rentrer dans une histoire d'amour longue et durable. On les coach en amour. Qu'est-ce que l'émission de Brigitte Laec est si géniale que ça elle, Brigitte, elle a pendant deux heures, tous les après-midi sur Sud Radio, des gens qui appellent pour lui expliquer qu'est-ce qui va pas dans leur couple, qu'est-ce qui a amélioré dans leur relation, qui a l'homme, qui a la femme. C'est un love coaching c'est un coaching amoureux, coach de vie c'est encore plus fort, coach de vie c'est ça, c'est mon livre, c'est la mission de vie, c'est coach de vie, c'est... Ma vie ça va pas bien là, je sens que je suis un peu à, à côté de la plaque, que t'es 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, vous êtes d'accord Abderrazak Et tous les gens qui écoutent cette formidable émission doivent se le dire, tout le monde se le dit, même à 15 ans tu te le dis. Est-ce que je suis en train de la réussir ou de la rater ma vie Je suis sûr que tu te poses la question. Eh bien ce livre peut te donner des réponses, mais surtout... Peut-être que je vais te donner la recette magique, la potion magique d'Astérix, c'est MMA. On va peut-être finir là-dessus. MMA, alors ce n'est pas zéro blabla, zéro tracas, quoique ce n'est pas loin. La première chose, c'est une motivation. Si vous voulez réussir votre vie, soyez motivé. Tous les matins du monde, on l'a dit avec Abderrazak, c'est très court une vie, 30 000 jours. Donc chaque jour compte pour votre bonheur, carpe diem, et chaque jour compte pour pas perdre de votre temps. Deuxième M, une méthode. Je veux dire, pour écrire un livre, il faut de la méthode. Pour être un réalisateur d'émissions, il faut d avoir des méthodes. Vous avez des méthodes. Vous avez des méthodes pour connaître ça. Je ne connais pas une activité où t'avances pas sans méthode. Et puis, A, c'est un accompagnement. Seul dans son coin, on a tous eu des gens qui nous ont fermés, qui nous ont donné des techniques. C'est ça un coach. Vous-même, au début de votre carrière, vous avez été coaché par des gens qui vous ont expliqué ce qu'était le métier dans lequel vous excellez aujourd'hui. Ils vous ont dit tu sais, la télé, c'est comme ça. Réaliser, c'est comme ça. Et t'as regardé, tu as observé, tu as eu des coachs. Tu as eu des mentors, tu les as imités au début, après tu as créé ta patte personnelle. Et ben voilà, tout le monde a besoin de A, ah, un accompagnement. Voilà, la position magique, c'était MMA. <laughs> Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup Merci, beaucoup, euh, à Christophe avec. Médici. Avec, euh, bon, vous avez écrit ce livre avec euh, votre ami Philippe euh, Mazet. Euh, le livre est sorti chez Lanor, les éditions Lanor. Euh, Certainement, il y a un livre qui va arriver là. Oui, vous n'allez pas arrêter ai écrit euh, à nouveau là. Au, au ouais. 20e là. <laughs> Je ne peux pas euh, arrêter d'écrire parce que c'est ma mission de vie. Moi aussi. Hein, donc j'ai besoin, moi, d'écrire de, des livres. Oui, bien sûr. Mais euh, en tout cas, celui-là. Il me touche beaucoup parce que ça faisait quand même très longtemps que je me disais comment... Euh, je t'ai persuadé que les, out les chansons pouvaient être un outil de développement personnel et relationnel et on est heureux d'avoir créé ça. On est déjà à plusieurs centaines, plusieurs milliers depuis deux mois parce qu'il est, il est tout jeune, le livre. Hein. Il est sorti début décembre. Là, hein. donc euh, bien, Il y a plusieurs milliers de gens qui le lisent, qui l'offrent à leurs parents, leurs enfants et tous les gens peuvent le jouer, lire en famille. C'est un jeu. Exactement. Un jeu. Et j'imagine qu'il est partout. Partout. En fait, trouve, il est partout. à la FNAC, il est à Amazon, et il est partout. Vous pouvez l'avoir chez n'importe quel libraire. Il est partout. Et comme j'ai envie de finir avec une chanson. Enfin. D'ailleurs, je peux vous faire un petit jeu. <laughs> Dites-moi une chanson que vous adorez. Oui, oui, il y en a plein dans ma tête. Donnez-moi une qui vient comme ça, d'un chanteur, d'une chanteuse que vous aimez beaucoup, oh, Abderazak. Par exemple, la chanson Didier. Oui, laquelle Didier Il oh, y, y, y en a un paquet, mais Et bon, je peux, bien, je, bien. je peux citer celle qui est mondialement connue, Abderazak. Voilà. Alors, vous connaissez le sens de cette chanson. Oui. Si je vous demande, Abderazak, à quel thème positif cette chanson vous fait-elle penser Positif. À un thème positif, cette chanson Didier. Elle vous fait penser à quel thème Oh, il me fait penser à, à la culture. En un mot, ça suffit. Eh bien, vous voyez, ça, c'est la première clé de la mélothérapie. Ce que vous amenez à l'humanité, vous, à c'est que vous diffusez de la culture. Ça tombe juste ou pas Tout à fait. Avec Hazard TV, avec vos autres chaînes, avec tout ce que vous faites déjà dans les médias, ce n'est euh, pas votre mission de vie, on, on la verrait à la fin du livre, mais ce que vous amenez à l'humanité, c'est de la diffusion de la culture. Ah ben, très bien, je, je vous remercie <laughs> beaucoup Christophe. Merci, donc, euh, je rappelle le titre de votre livre, Découvrir sa mission de vie par la mélothérapie. Voilà, comme il, 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 il vous l'a dit, il est partout euh, dans les librairies, à Fnac, Amazon. Donc n'hésitez pas, parce que je sais bien que vous allez trouver euh, votre bonheur, comme on dit. Et il, il se lit euh, très facilement, hein, parce qu'il y a du jeu, c'est des clés. Euh, voilà, donc. Euh, et ça vous renvoie aussi à votre jeunesse, la conscience, l'inconscience. Il y a plein de choses euh, agréables dans ce livre. Euh, je vous remercie beaucoup, Christophe. Merci pour votre invitation. C'est moi qui vous remercie et puis vraiment. J'espère à bientôt. À euh... bientôt dans de, de bon, nouvelles aventures. Voilà, et longue avec... vie à Hazard TV. Merci Hazard, beaucoup. les racines, n'est-ce pas là, là, Avec le avec l'art. Exactement. Hazard, <laughs> c'est euh, racine en, en berbère. Et puis les arts, c'est les. Alors je vous dis tenmer. <laughs> <'air>. voilà. <laughs>